Salutations à vous tous dans le nom précieux du Seigneur Jésus. Le Pénélète n'a immagrébé à Léo, qu'on partira à Salam, ou tu n'as pas connu Christ. Je crois que vous vous portez bien. Vous avez bien dormi. Je peux savoir si vous avez bien dormi. Qu'est-ce que vous avez rêvé? Moi j'ai mon fils Bible. Chaque fois que il se réveille, je lui dis, ça va, tu as bien dormi, qu'est-ce que tu as rêvé? J'ai rêvé Jésus et Frère Branham. Demain, quand je lui pose la même question, j'ai rêvé Jésus et Frère Branham. Alors tu es spécial toi. Tous les jours tu rêves Jésus et Frère Branham. Ok, c'est merveilleux. Parce que vous savez que parfois, quand nous avons des cauchemars, pendant la nuit, parfois c'est à cause de quelque chose qui ne marche pas dans la vie, un traumatisme, ou bien vous avez fait quelque chose qui n'était pas bien. Zingine ni juu ya matatizo fulani ya maisha ama ulifanya kitu kenye akina kizuri. Lakini wakati mzuri na mimi kama Mungu anawapatia mandato mazuri. Amen. OK, je pense que nous n'avons pas beaucoup de temps. Aujourd'hui, nous avons peut-être parlé un tout petit peu encore pendant peut-être 10 minutes. Najua tuna na wakati nyingi leo tena tutapima sasa zingine kusema kwa dakika 10. Alors hier, je pensais que je parlais pendant 10 minutes, mais le pasteur m'a dit que tu as fait 45 ou 50 minutes. Bon, j'ai dit, c'est 45 minutes, c'est moi et l'interprète, mais si on prend les heures à moi, on doit diviser ça par deux, donc j'ai parlé pendant 22 minutes. Cette fois-ci, nous allons lire juste le verset 3. Hébreux chapitre 11. Verset 3. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait. Les choses visibles. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Vous bénisse aussi. Amen. Amen. Nous avons essayé de voir un tout petit peu hier. Et le prophète nous parle. Il nous a montré qu'il y a des choses qui sont là. Et qui sont des choses vraies, réelles, mais qui sont invisibles. Et nous savons que d'après le message que nous voyons, et d'après ce que dit la Bible, le monde visible que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles, mais le monde a été fait à partir des choses qui ne sont pas visibles, qui sont invisibles. C'est ce que la Bible nous dit dans Hébreux 11, 3. C'est par la foi.
Ni kupitia imani. Nous croyons. Ya kama tunamini. Le monde. Dunia. A été fait. Il est tombé. Mais pas avec des choses visibles. Lakini aina na vitu vya kuonekana. Ce monde est devenu visible. La dunia ilikuwa kuonekana. Ce monde, lui, il est devenu visible. I dunia hiyo inakuwa ya kuonekana. Vous savez, une fois le prophète était en brousse. Unajua mara moja nabii alikuwa mpooni. Et pendant qu'il cherchait les écureuils, il n'a pas trouvé. Na wakati alikuwa anatafuta isembe asikuyapate. Pour les partir, Dieu lui dit, mais tu es venu faire quoi? Alitaka kuondoka mpole lakini Mungu anamwambia kulikuwa kufanya nini? Tu es venu chercher les écureuils, non? Kulikuwa kutafuta isembe sije. Alors, tu peux former des écureuils. Où est-ce qu'on a kutuma isembe? Et le prophète a cru. Na nabii aliamini. Et quand il a parlé, dans la carte abyssée, il y a des écureuils. Quoi essayer? Il y a eu des écureuils. Quoi essayer? Les écureuils ne sont pas venus de quelque part. Il essaie d'écouter parce que la nuit n'a pas. Ils sont sortis de même ici. Il est tombé ici pour les cas. C'était des écureuils réels. Laquelle loi il essaie de la quoi il n'a pas. Tu es ça. Il est allé manger ça. Je vais vous lire un petit passage dans le message du prophète. Pour que nous puissions voir un peu comment Dieu a commencé les choses au commencement. Le message que le prophète a intitulé Hébreux chapitre 1er. Ujumbe nabii alipata la jina Waibrania sura ya kwanza. La prêché le 21 août 1957. Aliyehubiri mwaka tarehe mwaka na 1557. Je fais son vie. Kule mtikati son vie. Le prophète dit. Nabii anasemaje? Moïse l'avait vu quand il est passé à côté du rocher. Musa alimuona wakati alipita pembeni ya mwamba. Et il le regarda et dit que cela ressemblait au dos d'un homme. C'est le même type de corps que nous recevons quand nous mourons. Si ce tabernacle terrestre est dissous, nous en avons déjà un autre qui nous attend. C'est cela, c'est la théophanie qui est le Fils de Dieu. Ce Fils, ce Logos devint chair parce que nous avons été mis dans la chair. Et la théophanie de Logos est devenue chair ici, au milieu de nous. Et ce n'est rien d'autre que le lieu d'habitation. Car cette fondation demeure en lui. Pouvez-vous le voir? Pouvez-vous voir cela? Nous avons montré que c'était cela au commencement que Dieu avait fait. Il a sorti le Logos de lui. Et c'est pourquoi vous allez voir le prophète appelle ça c'est la plénitude. C'est l'attribut de la plénitude de Dieu. Parce que le Logos, il est sorti de Dieu. Et Dieu est entré entièrement dans ce Logos. Depuis ce temps-là, il travaille toujours avec ce Logos. C'était une toute première forme visible de Dieu parce que Dieu est invisible, il est un esprit qu'on ne voit pas. Même quand il était dans l'éternité, on ne pouvait pas le voir. Il était simplement un esprit. Voyez, il a créé ces choses que nous voyons ici. Amen. Là, Dieu avait dit à Abraham, tu es venu pour les éclairer, parle. Pour les éclairer.
Wakati Mungu alimwambia Branham ulikuwa njoo kupata hisemi sema. Sasa le prophète a commenté ça. Na jua nabii alisemezea faide. Il a montré l'écriture où Jésus dit que celui qui croira en moi, il fera le plus grand des œuvres. Le temps de Jésus, on pouvait prendre un peu de pain, on multiplie, on peut prendre du poisson, on multiplie. Mais la création des écureuils, c'est partie de l'invisible. Partie de rien. Côté à la parole de Dieu, elle contient tout. On peut prendre l'invisible et le rendre visible. Amen. Renan a dit dans questions et réponses sur la Genèse, au paragraphe 22. Adam fut le premier homme dans les créations terrestres de Dieu. Adam alikuwa mtu wa kwanza mjiumbe vya Mungu. Mais la première création fut Dieu lui-même. Lakini kumbika kwa kwanza ilikuwa ni Mungu yeye mwenyewe. Puis de Dieu sortit le Logos. Kisha kwa Mungu kunatoka Logos. C'est-à-dire avant qu'il y ait quoi que ce soit de tout ce que nous voyons. Nikusema mbele ya kukua kitu chochote kinachokuwa tunaona. La première chose qui était sortie, c'est Dieu lui-même. Et c'était par le Logos. Je reprends la citation. Écoutez ce que bien dit le prophète. Il dit, Adam fut le premier homme dans les créations terrestres de Dieu. Mais la première création fut Dieu lui-même. Oui, de Dieu sortit le Logos qui était la parole. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Maintenant, vous voyez que quand vous lisez dans Jean chapitre 1er, commencement était la parole. Généralement, les gens ne comprennent pas ça. C'est ici. Quand on dit au commencement était la parole, ça veut dire au commencement était le Logos. Parce que c'était ça la première création de Dieu. Et la toute première forme visible. Quand on dit le Logos, c'est la théophanie. C'est quelque chose qui peut apparaître aussi, disparaître. Qui peut se changer, qui peut s'amorpher. Le prophète dit encore dans la cruauté du péché, paragraphe 38, il dit la même chose. Pour que je ne puisse pas louper aujourd'hui les citations que je ne vous ai pas données hier. La cruauté du péché, paragraphe 38. Je vais maintenant vous représenter quelque chose en parole. Faisons tous un petit voyage ce soir. Sur un petit bateau. Un petit astronef. Ou un avion. Retournons à 100 millions d'années en arrière. Avant qu'il y ait un monde. Avant même qu'il y ait une étoile ou quoi que ce soit. Où vous ne pouviez rien voir d'autre que l'espace. Et cet espace tout entier était Dieu. Au commencement était Dieu. Et voyons maintenant venir à l'existence une petite lumière blanche. Nous appelons cela un halo. Quelque chose ressemblant à cela.
C'est le Fils de Dieu, le Logos, qui est sorti de Dieu au commencement. Vous voyez? Donc, c'est le Logos qui était la première création. C'était la toute première forme visible où Dieu pouvait être vu. Donc de l'invisible est sorti le Logos pour rendre le monde visible. Mais là-bas à l'origine, ce n'était pas le visible. Parce que vous savez que la science nous explique les choses selon les cinq sens de l'homme. Et souvent, c'est ce que l'homme voit qu'il croit. Mais nous avons dit que nous devons regarder à l'invisible. Et nous devons regarder ce que l'homme ne voit pas. Mais qui est vrai. Parce que j'ai une citation ici très vraiment dit. Les choses réelles sont invisibles. Les choses visibles ne sont pas réelles. Ce ne sont que des ombres. Les choses visibles sans le reflet des invisibles et des réels. Parce que les choses réelles sont invisibles, on ne les voit pas. Je vais dire, Dieu est ici. Mais ça va quoi? Dis ta même. Ça va mire. Qui le voit? Mais vous dites amen, non? C'est moi, c'est ma mine. Dieu est ici, est-ce que vous croyez qu'il est ici? Mon Dieu, quoi, pas mon ami, ne connaît quoi pas? Il a dit au toi, si tu ne crois pas, ça te dit, tu n'es qu'un incrédule. Yes. Il a dit au toi, on passe ensemble, je suis là. Alors, ça va, quand il y a un oué, on va vous dire, on va Dieu est ici. Mon groupe est au ap. Vous le voyez? Mon amour? Amen. Ça dépend. Quoi, la fatale? Il y en a qui disent non. Est-ce que c'est tout le monde qui dit non? Je lui pose la question, vous le voyez? Il y en a qui disent oui. Et ceux qui disent oui ont raison. Ceux qui disent non ont raison. Parce que ceux qui disent non, ils parlent selon la science, selon les sens, selon la vue. Ceux qui disent oui, ils regardent l'invisible. Ma recommandation ce soir, c'est que nous puissions regarder à l'invisible. C'est à l'invisible que vous verrez que Dieu, il sera une réalité dans votre vie. Regardez les enfants d'Israël. Quand ils quittent l'Égypte, ils viennent avec Josué, la mort de Moïse. Là, c'est bon. Mais Josué qui a pris le commandement de la tête d'Israël. Et ils ont commencé à marcher. Parce que Josué est celui qui devait les faire entrer dans la terre promise. Et pendant qu'ils étaient là, vous savez, un certain moment, Josué il arrive au Jourdain. Et ils ont traversé le Jourdain. Parce qu'il y a des tribus d'Israël qui ont hérité des terres avant le Jourdain. Sur 12 tribus, il y en a eu 3 qui ont hérité avant la traversée. Et les autres 9 tribus devaient hériter leur terre après la traversée du Jourdain. Quand ils traversent le Jourdain, la première chose qu'ils ont rencontré qui était un grand obstacle, c'était la ville de Jéricho. Une ville qui était fortifiée. Il y
avait des murailles bien bâties qui entouraient la ville avec des portails fortifiés. Israël ne pouvait rien. Israël a trouvé ce qu'il faut. Dieu dit à Josué, commencez simplement à marcher. Et commencez à tourner cette ville. Pendant qu'il était là, Josué d'abord s'inquiétait. S'inquiétait, dit, mais qu'est-ce qui se passe? Comment nous allons faire? Tout à fait, une ville fortifiée avec des murs très hauts. Mais dites que nous allons tout prendre sauf cette ville ici. Non, à sa grande surprise, parce que le prophète dit, de tous les hommes qui ont existé sur la terre, de tous les chefs militaires, de tous les colonels, il n'y a pas eu un général comme Jésus. Il n'y en a pas eu. Pendant qu'il était là, il voit un homme devant lui. Il sort son épée à la torche en panne. Qui es-tu là? Il voulait en finir avec cet homme. Il dit, présente-toi. Es-tu des nôtres? Es-tu un de nos ennemis? L'homme là qui dit, je suis le commandant. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Il n'est pas venu à Jéricho. Il a commencé la marche avec depuis la sortie de l'Égypte. Là, cet ange s'est rendu visible. Jésus dit, non, si tu es le chef de l'armée de l'Éternel, alors vous savez, c'était de l'Éternel. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. L'Éternel qui vient sous la forme d'un ange. Il a remis son épée. Il s'est incliné. Attendez, je vais un peu le verset ici. Je vais vous lire ça rapidement. Dans Josué. Parce que vous allez comprendre que un chrétien, quand il marche, il ne se fie pas à ce qu'il voit. Et l'invisible, c'est ce que la parole de Dieu vous déclare. C'est que la parole de Dieu vous a dit. Que les autres ne voient pas, le monde ne voit pas, mais vous. Les enfants disent, Josué, verset 10. Joshua, Josué, chapitre 5. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque. Le 14e jour du mois, sur le soir, dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque. Les pains sans levain et du grain rôti. Ils en mangèrent ce jour. Ce même jour, la manne cessa le lendemain de la Pâque quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent les produits du pays de Canaan cette année-là. Comme Josué était pris de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Et voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fait ainsi. Vous voyez? Alors, il a dit à Josué, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez simplement tourner. Vous allez faire le tour de cette ville sept fois. C'était le type des sept âges de l'Église. Et
le septième jour, vous allez tourner sept fois. Na siku ya saba mtazunguka tena mara saba. Pourquoi dans le septième âge de l'église nous avons reçu sept messages? Nous avons reçu une dose équivalente à tous les sept âges de l'église. Quelqu'un peut dire amen. Les autres pays ils ont fait ça. Et ce chef de l'armée de l'Éternel était avec eux. Il dit j'arrive. C'est pour leur permettre de le voir. Il était toujours avec eux. C'est le même parce qu'il remarquait son langage. Il dit ôte les souliers de tes pieds. Il avait déjà utilisé ce langage quelque part sur une montagne avec Moïse. Et quand il marchait, peut-être il ne le voyait pas. Sous cette forme humaine. Mais il était toujours avec eux. Ils ont obéi, ils ont tourné la ville de Jéricho sept fois. Le septième jour, Jéricho est tombé. Les murs sont tombés. Ce sont des anges qui ont fait ça. Qui étaient commandés par ce chef-là. Très nombreux là. Regardez à l'invisible. Amen. Il y a des choses qui peuvent se passer dans votre vie. Et il va faire tomber les murs de Jéricho qui sont dans votre vie. Amen. Parce que quand nous regardons à l'invisible, quand nous regardons à l'invisible, nous regardons à ce qu'un homme ne peut pas voir. Oh, j'aime cela. Oui, mon frère, c'est ça qui nous donne la force. Nous devenons très forts. Le prophète dit dans un message ici, Josué le vaillant guerrier. Je vais vous lire ça. Il a prêché ça le mercredi 19 janvier 1955. J'aurais voulu lire à partir du paragraphe 11, mais ça sera long, la lecture sera long. Je vais sauter, je vais aller juste à l'essentiel. Je vais prendre à partir du paragraphe 12. Voyez-vous? Il occupait la position. Il allait devenir le plus vaillant soldat qui ait jamais existé sur la terre. Il n'y a jamais eu de général comme Josué en aucun moment, en aucun âge, nulle part de comparable à Josué. Le mot Josué dérive du mot Jésus. Il signifie Jésus ou sauveur libérateur. Et alors quand il vit cet homme, qu'est-ce? C'était le chef. En d'autres termes, le commandant de l'armée d'Israël. Et ce commandant n'était nul autre que Christ lui-même. Amen. Parce que l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même. C'est pourquoi ce moment dit que cet ange que Jésus avait vu, c'était Christ lui-même. L'a-t-on d'abord vu, et il dit, d'une colonne de feu. Sous quelle forme l'a-t-on vu avant? Parce que quand il dit à Josué, j'arrive, cela ne signifie pas que tout ce temps-là, je n'étais pas avec vous. Et que c'est maintenant que j'arrive. Il était sous quelle forme il était là? C'était cette colonne de feu.
Moïse, ôte les souliers de tes pieds. Et ici il apparaît un homme comme un militaire. Et il dit à Josué, ôte les souliers de tes pieds. Alors le prophète dit, sous quelle forme l'a-t-on encore vu? Tu es une colonne de feu. Et puis la colonne de feu devint un homme. J'espère que vous savez de quoi je parle. Il était devenu un homme. Josué était seul à l'écart. Et il a vu avec exactitude ce que c'était. C'était cette colonne de feu qui les avait conduits comme un ange. Se disant elle-même le chef de l'armée. Il était l'invisible. Et il est toujours le chef de l'armée de l'Éternel. L'invisible. Celui qu'on ne voit pas. Mais pourtant, il est toujours là. L'invisible, celui qu'on ne voit pas, l'omnipotent, il est ici ce soir, tout aussi réel qu'il s'était là sur le miracle de Jéricho. Quelqu'un peut dire amen. Quelqu'un peut dire gloire à Dieu. Quand on dit il est ici ce soir, ce n'est pas seulement là à ces personnes vives, mais c'est ici à nouveau jour d'Amena, pendant que je suis en train de vous parler. Il est ici ce soir. Amen. C'est lui qui produit la joie en vous. Quand on parle, vous sentez un certain moment. Il faut que je lève la main. Le prophète dit, qu'est-ce qui vous fait lever la main? Juste à côté là. C'est pas le corps glorifié qui est juste à côté là. Amen. Parce que le chef de l'armée de l'Éternel, quand il est là, il ne vient jamais seul. Vous savez, un chef, c'est comme dans l'armée. Quand on dit un capitaine, il n'est pas capitaine comme ça, non. Il a des troupes. Qui ont des pénétrants, qui dirigent, je ne sais pas comment vous appelez tout ça. Donc le prophète nous confirme que ce chef-là, que Josué avait vu à Jéricho, est ici ce soir avec nous. Et pour dire qu'il n'est pas seul, il est avec ses troupes. Il y a des milliers d'anges ici au milieu de nous. Et ils sont tout autour de nous. Mais avec vos yeux humains, ça vous pouvez les voir. Mais regardez l'invisible, vous le verrez. Il dit, il est ici. Je vais continuer la lecture ici. Il dit, il est ici ce soir. Tout aussi réel qu'il se tenait contre les murailles de Jéricho. Le même Seigneur Jésus, évidemment, en type. C'est lui. Melchizedek. Qui avait rencontré Abraham. Plusieurs centaines d'années auparavant. Il n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin d'année. Melchizedek. C'est toujours lui, le commandant de l'armée de Dieu. Alors nous devons regarder à lui. Il est avec nous ce soir. Soyez confiants. Amen. C'est pourquoi quand nous tenons ici, n'ayez pas peur. Et quand il parle, quand il est en train de nous parler, il est en train de créer quelque chose en nous. Il crée en nous un homme nouveau.
Il crée à nous le Christ. C'est lui qui guérit nos maladies. C'est lui qui opère les prodiges, les miracles. Il fait des choses extraordinaires. C'est lui qui change et qui transforme nos vies. Amen. Regardons à l'invisible, mes frères. Vous allez voir que l'Éternel, notre Dieu, il est tout le temps avec nous. Parce que frère Branham dit, tout est surnaturel. Donc ce qui est naturel, ce n'est qu'une ombre, mais la réalité. Vous savez, un jour, c'était en 1960. Dieu dit à Abraham, est-ce que tu aimeras voir? Tu aimeras voir de l'autre côté du rideau du temps. Et tu t'appelleras pour le même temps à partir à Wakati. Abraham a dit oui, Seigneur, ça m'aidera. Abraham a dit que je me suis vu. Je regardais derrière, je voyais mon corps. Il y a rien pour mon corps, là, mais et il dit dans un message, il dit que quand je regardais mon corps, je le voyais couché sur le lit, j'ai essayé de mesurer la distance. C'était 6 mètres. Et là, frère Branham était en haut, au ciel. Frère, le ciel est à 6 mètres. Et frère Branham dit, j'ai vu des millions de gens venir. Notre précieux frère. Où c'est? À 6 mètres. Répétons ça. À 6 mètres de sa vie. À 6 mètres. Il a vu des sœurs bien habillées. Avec des jupes juste aux chevilles. Hein? Des jupes juste aux chevilles. Ça, c'était pour théophanie. C'est pourquoi quand vous vous habillez, essayez d'imiter votre mouvement. Et ce soir, venez, notre précieux frère. Où? À 6 mètres. Il avait des frères. Tous jeunes. Notre précieux frère. Si tu n'étais pas venu, nous ne serions pas ici. Où c'est? À 6 mètres. Le prophète dit dans la rue de Dieu. Elle dit ici. L'armure complète de Dieu, c'est par la foi. Nous n'avons pas une seule chose naturelle de ce monde. Tous ceux qui appartiennent à l'église chrétienne, c'est par l'acte de foi. Considérez la vie de Dieu, l'amour, la joie, la paix, l'humanité, la bonté, la douce, la bienveillance, la patience, pas vrai? Tout est surnaturel. Rien n'est naturel. Alors, nous ne regardons pas aux choses naturelles. Parce que nous pouvons nous fonder, c'est sur la foi, sur ce que Dieu a déclaré de la vérité. Et nous regardons à l'invisible. Et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. C'est ce qu'Abraham a fait. Et il les a reçus. Amen. Abraham a appelé les choses qui n'étaient pas ce que Dieu avait, comme si elles étaient. Abraham a dit c'est pourquoi Abraham dit ici. Tu vois le Abraham en ces nous ne regardons pas aux choses naturelles. Parce que si on a dit que Dieu nous aime. Même tel que nous sommes là, le prophète dit que nous ne nous sommes jamais vus, ça c'est vrai. Tout ce que nous voyons, c'est
le masque dans lequel nous sommes. Le masque qui tient le micro, qui porte des habits, des cravates, tout ça. Le masque, il a choisi un microphone. C'est pas ça le vrai nom. La qui est aïna ou le wait si c'est wakwe. Le vrai nom est invisible. Si c'est wakwe, dit à ce moment-là. Un jour, nous le verrons. La qui est commode. Il dit, nous regardons à l'invisible. Tout qu'on a parlé au principe pour l'état. Et nous appelons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les choses qui ne sont pas parce qu'on ne les voit pas. Comme si elles étaient. Amen. Oh là là. Si l'Église pouvait avoir cette façon de voir les choses. Je crois, mes frères, que nous serions des hommes de foi. Et des femmes de foi. Tu ne peux jamais commencer à regarder les choses que nous voyons aujourd'hui. Surtout aux choses qui sont négatives. Parce que vous savez que le diable, il a fait un Éden. Le prophète a prêché un message qu'il a intitulé l'Éden de Satan. Dieu a fait 6000 ans. Et il a pris 6000 ans pour créer son Éden là où il avait placé son fils Satan. Satan aussi a pris 6000 ans pour déformer et créer aussi son Éden. Mais l'Éden de Satan, c'est ça qu'il fait avec toutes ces choses que nous voyons. Les voitures, il y a des choses comme ça. Les routes qu'on a fait ici. J'avais une fois rencontré une soeur qui me disait, oh là là, quand nous serons au ciel, comme au ciel, nous aurons le pouvoir et l'autorité des enfants de Dieu. Je commenterai seulement une VX, une voiture VX qui va venir. Je vais monter là-dedans, je vais rouler. Je dis non, sœur. Au ciel, il n'y aura pas tout ce que vous voyez ici. Tout ce que la science a produit. Tout ce qui est œuvre scientifique n'entrera jamais. Parce que c'est Satan qui a créé tout ça. Parce qu'il rend les choses visibles pour amener l'homme à être incrédule. Adam n'avait pas besoin de ça. Vous voyez, après la Pentecôte, quand Luc et Jocain étaient en train de lire l'histoire de lui. Le Saint-Esprit a dit à Philippe, viens, va à Gaza. Il n'a pas envoyé un avion à Philippe. Vous le savez. C'est mon adieu. Il a dit seulement à Philippe, va à Gaza. Il y a quelqu'un qui a besoin d'une explication. Et Philippe, ah. La Philippe, comment la alors qu'il était avec le frère à Jérusalem. Il se retrouve sur la route de Gaza qui descend vers l'Égypte et vers l'Éthiopie. Il prêche à quelqu'un. Quand il termine, il n'a pas dit au Seigneur, où est l'avion pour que je rentre à Jérusalem. Dieu n'a pas besoin des avions. Les choses sont visibles. Le diable qui a créé ça dans son éther. Comme ça, quand on vous parle des choses de Dieu, non. Prenons des choses que nous pouvons voir, des choses que nous pouvons toucher, des choses que nous pouvons marcher selon les cinq sens. Quand Philippe a fini de parler à l'Éthiopien, il a désiré seulement retourner à Jérusalem. Il est retourné à Jérusalem. Il n'avait pas besoin de demander
un avion ou un Boeing américain. Pour que tu puisses monter dans ce Boeing et tu vas parce que la distance est longue, tu te dis que pour aller à Gaza. Cette distance, vous ne pouvez même pas la faire comme ça, dans quelques minutes à pied. Amen. Donc je disais que ce jour-là, quand le prophète est allé commencer à regarder les gens, il le voyait à 6 mètres. Le prophète nous dit dans le monde révélé dans sa propre Dieu se révèle dans sa propre parole, quelque chose comme ça. Dieu révélé dans sa propre parole. Il dit que le ciel n'est pas loin. C'est pourquoi vous devez croire que les anges sont ici avec vous. Il dit que vous vous rendez compte que quand vous montez, vous ne montez nulle part, vous ne faites que tourner ici. Le ciel, c'est simplement une dimension. Oui, il n'a pas une dimension. Mais c'est une dimension de la parole. Alors, la parole du Seigneur fait quoi? La parole du Seigneur nous connecte à cette dimension. Nous sommes en contact avec une dimension invisible par la parole de Dieu. Je vais conclure. Vous allez me dire, mais pasteur Kassongo. Bon, vous nous dites regardez à l'invisible. Nous allons regarder à l'invisible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regarder à l'air ou bien. Bon, je vais maintenant le dire d'une façon claire. Regardez à l'invisible. Que ce que nous voyons n'a pas été fait des choses visibles, mais cela a été fait des choses invisibles. Amen. Amen. Et les choses invisibles sont les choses réelles. Les anges sont ici. Le Saint-Esprit est ici. Dieu est ici. L'ange que Jésus avait vu à Jéricho est ici ce soir. Elle vous touche. Elle guérit vos maladies. Il y a des gens aussi qui reçoivent le Saint-Esprit. C'est elle qui baptise le Saint-Esprit. Elle fait des choses que le monde ne voit pas. Amen. Que Dieu soit béni. Que je vous donne un peu pour lui. C'est pour cela que. Quand je conclue, vous savez, quand nous mourons, nous ne mourons pas. Nous sommes toujours là. Parce que les gens que le prophète a embrassés là, nous sur la terre, qu'est-ce qu'on pouvait dire? Ils étaient morts. Mais ils n'étaient pas morts. Nous, c'est pareil. Nous ne pouvons pas faire. Je suis en train de conclure. La communion pour la rédemption. Le prophète dit ici, dans ce message, il dit, vous ne mourrez jamais. Vous ne mourrez jamais.
l'homme, il tombe. Vous voyez le corps. C'est ce qui est visible. Comme nous sommes habitués à voir ce qui est visible, et il y a des gens qui ne sont limités qu'à ça. Et quand ils voient le visible qui tombe, c'est fini. L'espoir, tout espoir s'arrête là. Mais non, ce n'est pas ça. Au contraire, quand le visible tombe, c'est à ce moment-là que l'invisible prend le vêtement. C'est comme ça, n'est-ce pas? Quand le visible est debout, l'invisible est couché. Quand le visible tombe, automatiquement, l'invisible est couché. À ce moment-là, vous pouvez bien voir les choses. Vous comprendrez que nous sommes seulement ici, dans une autre dimension, mais réelle. Parce que quand on dit invisible, on n'est pas imaginaire. Le prophète nous a dit, c'est ce qui est invisible qui est réel. Il dit, Jésus a dit, celui qui entend mes paroles et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Vous ne pouvez pas mourir. Vous ne pouvez pas mourir. C'est votre partie mortelle qui meurt. Mais vous continuez de vivre ici. Vous pas que vous allez quelque part là-bas. C'est pourquoi quand Jésus est allé à la tombe de Lazare, il a dit à l'Isère, Lazare sort. Le prophète dit, personne ne peut savoir où était Lazare. Il était dans un petit voyage. Mais il a entendu. Je relis la citation. C'est votre partie mortelle qui meurt. Mais vous continuez de vivre ici. C'est quelqu'un qui peut dire. Le prophète ajoute, votre esprit est juste ici avec Christ. Amen. C'est pourquoi le prophète pouvait les embrasser. D'ailleurs, pendant que nous parlons, ils sont aussi. Ils viennent souvent pour communier avec nous dans la parole. C'est quand on prêche la parole qu'ils sont là. Ce n'est pas quand vous parlez politique. Ils sont tout autour en train d'entendre. Et se réjouir avec nous parce que la parole nous connecte avec ce qui est invisible. Alors, avoir foi dans la parole, c'est ça, regarder à l'invisible. C'est pour cela que ça rend les choses que vous ne voyez pas réelles. Je pouvais lire d'autres citations ici, il y en a encore beaucoup. Ce matin, on dit qu'on dit, mais qu'on dit. Mais voyez-vous, je pense avoir dépassé largement les 10 minutes. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, j'ai terminé pour aujourd'hui. Le reste, je sais que le pasteur vous ajoutera ça. Il vous a déjà dit beaucoup d'autres choses. Que le Seigneur vous bénisse. Applaudissons très fort. Je vous pose la question. Les chanteurs ou les présentateurs? Il est tout. Il est plus fort. Il est plus prédicateur. Il n'a dit que la vérité. Ah, c'est mon mari.
Nous allons dans le pays de l'immortalité. Là où les morts sont ressuscités. Ouais. Nous, on si ça vous paraît que quand ici si on disait dans ces gens-là sont morts. Mais nous les embrassons. Branham dit. Il nous écoute. Écoute. Ce soir. John, il nous écoute. De l'autre côté de la rivière. Il dit, je peux voir Frère Stewart. Et là, en train de battre les mains. C'est pourquoi vous, prédicateurs, prêchez bien. Parce qu'on nous écoute.